Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du conseil municipal du 12 décembre. Mais avant, j'aimerais qu'on aborde deux sujets d'actualité pour la ville. Le conseil de territoire a adopté le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal. Donc j'aimerais que vous nous en disiez un petit mot. Et puis, j'aimerais que vous nous parliez du projet des Halles de Montrouge également. Oui, alors en effet, vous savez que Montrouge fait partie du territoire Vallée-Sud Grand Paris avec 10 autres communes. Donc nous sommes 11 communes sur un territoire qui rassemble un peu plus de 400 000 habitants. Et donc jeudi 14 décembre dernier, nous avons arrêté le projet de plan local d'urbanisme intercommunal. Donc c'est une décision importante. C'est le premier PLUI de l'histoire de ce territoire dont nous faisons partie depuis 2016 maintenant. Et donc ce plan local d'urbanisme, il va nous donner pour au moins la décennie qui vient les règles du jeu en matière d'urbanisme et d'aménagement. Et donc on le sait aujourd'hui, d'ici 2035, il y aura à peu près une quarantaine de milliers d'habitants supplémentaires qui viendront dans ce territoire. Et donc chaque ville doit prendre sa part pour accueillir ces nouveaux habitants et continuer de faire ce territoire un territoire de qualité, un territoire attractif, un territoire où il fait bon vivre. Voilà, donc Montrouge a maintenant une règle d'urbanisme à l'échelle intercommunale, ce plan local d'urbanisme intercommunal, et c'est vraiment décisif pour nous. Très bien. Et donc les Halles de Montrouge, vous avez présenté aux Montrougiens au Beffroi le 11 décembre dernier le projet. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce que vous pouvez nous rappeler les différentes... Oui, alors ce projet des Halles de Montrouge, il s'inscrit dans la suite logique de ce PLUI que je viens d'évoquer. Parce qu'aujourd'hui, à Montrouge, il n'est pas possible de transformer des bureaux en logements. Or, ce qui est en train de se passer un peu partout en Île-de-France et dans les grandes métropoles, c'est que la place du bureau, le nombre de bureaux diminue à cause du télétravail, à la suite de la pandémie. Et donc, à Montrouge, il y a une entreprise importante qui s'appelle les Éditions Législatives, celle qui éditait le guide Dalloz. Elle a quitté Montrouge avec tous ses salariés, elle est partie s'installer à La Défense, elle a libéré une emprise importante qui fait un peu plus de 8000 m². Et donc, nous sommes allés voir les Éditions Législatives pour leur dire: pourquoi ne ferions-nous pas ensemble un projet de renouvellement urbain? Plutôt que de reconstruire des bureaux, faisons un renouvellement de ce quartier. Donc on s'est mis d'accord pour mettre ensemble nos deux fonciers, le leur qui fait un peu plus de 8000 m², le nôtre, celui sur lequel est installé le marché de la Marne aujourd'hui. Ainsi, on a constitué un foncier d'un peu moins d'un hectare et on a établi un projet pour renouveler ce quartier. D'abord, il crée un nouveau parc public, un parc d'à peu près un peu plus de 4000 m², alors qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas d'espace vert. Ensuite, recréer un marché couvert, des commerces, une crèche et puis toute une halle tournée vers la culture et les associations qui animera ce nouveau quartier. Voilà. Donc ce projet a fait l'objet donc d'un cahier des charges, d'un concours. C'est Cogedim qui a remporté ce concours et ce projet a été présenté aux Montrougiens. C'était lundi 11 décembre, en effet, au Beffroi. Voilà. Donc c'est un projet qui correspond aux attentes des Montrougiens de ce quartier, qui va vraiment redynamiser le quartier. C'est un très, très beau projet qui s'inscrit vraiment dans notre volonté d'avoir une ville qui soit plus verte, plus commerçante, plus attractive et qui permette aussi d'accueillir de nouveaux Montrougiens, donc les Montrougiens qui ont besoin de nouveaux logements. Donc il y aura 270 logements dans ce projet, dont 30% de logements sociaux. Et puis ça permettra aussi d'accueillir des familles dans de très bonnes conditions. Voilà donc un très beau projet que maintenant chacun va pouvoir découvrir. Ce sera présenté ici à l'hôtel de ville avec une maquette, avec une exposition. Et puis la concertation commence. Chacun pourra s'exprimer sur ce projet et ensuite nous le mettrons en œuvre en tenant compte des avis de chacun. Le dernier conseil municipal de l'année s'est tenu le 12 décembre dernier. Les sujets abordés furent nombreux, on va y revenir, mais avant j'aimerais que l'on parle finances, puisque le conseil municipal a adopté le budget de la ville pour 2024. Alors monsieur le maire, quelles sont les grandes orientations de ce budget? Alors ce budget 24 s'inscrit dans un contexte très particulier, puisque nous avons d'abord des dépenses qui sont contraintes, l'inflation qui continue, et puis des dépenses qui nous sont imposées par l'État, notamment en matière de masse salariale. Et de l'autre côté, nous avons des recettes qui diminuent, puisque nous n'avons plus la taxe d'habitation, et les dotations de l'État sont en baisse également. Donc nous devons, avec des dépenses qui augmentent et des recettes qui diminuent, nous avons l'obligation de faire preuve de sobriété, de tenir nos dépenses
et de pouvoir continuer à dégager un autofinancement pour notre investissement. Donc le budget de fonctionnement pour 2024, il sera de l'ordre de 92 millions d'euros. Et nous avons souhaité préserver le pouvoir d'achat des propriétaires montrougiens. On n'augmentera pas la taxe foncière. Et nous avons souhaité également accompagner les agents de la ville, la plupart des agents, en leur versant une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. C'était important cette fin d'année. C'est un geste fort de la municipalité envers la plupart de ses agents. Ça, c'est pour le fonctionnement. Et puis, nous continuons aussi en matière d'investissement à poursuivre et à réaliser nos projets, poursuivre notre ambition d'avoir une ville qui s'embellit, qui se végétalise, qui se reconstruit. Et donc, nous avons décidé d'investir cette année presque 30 millions d'euros, dont 26 millions en équipement, avec la poursuite du projet Péry-Junot-Gautier, qui avance bien, qui sera livré à la fin de l'année prochaine, le projet de l'école Rabelais, qui lui aussi qui est le grand projet éducatif de l'année, et puis le parc Schumann, l'aménagement du parc Schumann qui va commencer. Par ailleurs, d'autres projets aussi pour la petite enfance, pour les équipements sportifs, etc. Donc 30 millions d'euros pour l'investissement, financé pour une part par l'autofinancement, dégagé du fonctionnement, mais qui diminue, et puis par l'emprunt, nous continuerons d'emprunter, mais Montrouge est une ville qui est peu endettée aujourd'hui, donc nous avons encore des marges de manœuvre en la matière. Voilà, donc dans ce contexte difficile, un budget ambitieux, un budget qui nous permet de réaliser les services et les projets que les Montrougiens attendent pour 2024. Vous avez également, pour la deuxième année consécutive, voté un budget vert. Oui, ça fait effectivement deux années de suite que nous proposons ce budget vert qui permet d'analyser nos dépenses en fonction de critères de décarbonation. Et donc, on voit que à peu près les deux tiers de nos dépenses d'équipement se permettent d'améliorer l'empreinte carbone de la ville et donc sont positifs pour la planète. Voilà, donc c'est un sujet important parce qu'aujourd'hui, le réchauffement concerne évidemment tout le monde et les investissements de la ville ont vocation à aller dans ce sens de la décarbonation et de la préservation de notre planète. Donc c'est pour cela qu'on a fait ce budget vert et qu'on va continuer chaque année de le présenter. La ville de Montrouge dispose d'un tissu associatif qui est important et actif. Le conseil municipal a donc voté le montant des subventions pour 2024. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, alors nous avons à Montrouge de nombreuses associations, presque 200, qui sont très dynamiques et avec beaucoup de bénévoles qui participent à la dynamique de notre ville. Donc ces associations, elles bénéficient d'un guichet, un guichet unique qui les accueille rue Victor Hugo. Et puis, nous les accompagnons aussi en termes de communication, en termes de logistique, pour les aider à organiser toutes leurs manifestations. Et puis, nous leur versons un montant total de subventions chaque année, qui est de, donc en 24, 560 000 euros. Donc, il faut que ces associations continuent de se développer, et c'est bien, c'est un signe de très bonne santé pour notre ville. Le conseil municipal a également approuvé deux rapports qui sont en téléchargement sur le site de la ville. Le rapport sur le développement durable, et le rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, Monsieur le maire, quelles sont les grandes tendances qui se dégagent de ces deux rapports? Alors, ce sont deux rapports importants qui accompagnent le vote du budget pour 2024. Alors, le rapport sur le développement durable, lui, il permet de présenter toute l'action de la ville en la matière, notamment sur le volet végétalisation, biodiversité, avec tout ce travail que nous faisons, et c'est notre priorité, pour végétaliser la ville, favoriser le retour de la nature en ville à travers la création des parcs que j'ai évoqués, et puis tout ce que nous faisons autour de l'agriculture urbaine, etc., etc. Donc ça, c'est un volet essentiel. Ensuite, nous travaillons aussi sur la sobriété énergétique. Nous essayons, comme je l'ai dit, de réduire nos consommations dans tous les domaines, y compris dans le domaine de l'eau, d'ailleurs. Et puis, nous essayons aussi, en matière de mobilité, de favoriser les mobilités qu'on appelle douces maintenant, ou actives, c'est-à-dire la marche à pied, le vélo. Et nous sommes aussi très actifs en matière de solidarité, de lutte et d'accompagnement des plus précaires, des plus démunis. Voilà. Donc le développement durable, c'est très large. Et ce rapport qui est très très bien fait, je vous invite à le lire. Il rassemble toutes les actions menées par la ville au cours de l'année 2023. Et concernant le rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, que peut-on en dire? Oui, alors ce rapport est très important. Il a deux volets. D'abord, vis-à-vis des agents de la ville, essayer de faire en sorte de favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes, par exemple en matière de promotion, ou en matière de formation, ou en matière d'aménagement du temps de travail. Et puis sur toutes les politiques publiques de la ville, faire en sorte, là aussi, qu'il y ait de lutter contre les discriminations
les violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales, etc. Et là aussi, favoriser cette égalité entre les femmes et les hommes. Voilà, donc nous y sommes très attentifs. Et là aussi, c'est un rapport que je vous invite à lire dans son intégralité. Parlons maintenant d'aménagement urbain, puisque le conseil municipal a approuvé une convention de coopération entre la ville de Montrouge et la ville de Paris. Et il y a des sujets communs, des grands projets d'aménagement urbain qui sont communs. Donc, quel type de projets sont concernés par cette convention ? Alors, c'est la deuxième convention que nous allons signer avec la ville de Paris. On en avait signé une il y a 3 ans et on avait déjà réfléchi à de nombreux sujets qui concernent nos deux villes puisque nous sommes voisins. Il y a seulement le périphérique qui sépare Montrouge de Paris. Donc, lors de la première édition, nous avions mis l'accent sur un projet qui nous tient à cœur et qui va se réaliser maintenant, nous en sommes certains. C'est la promenade des deux gares. La promenade des deux gares, le projet, c'est de relier la nouvelle gare Barbara, vous savez que la ligne 4 a été prolongée jusqu'à Bagneux et nous avons la ligne 4 au sud de Montrouge. Et puis la future gare Châtillon-Montrouge, elle existe déjà puisqu'il y a la terminus de la 13, mais bientôt va arriver la ligne 15 sud. Et entre ces deux gares, qui sont distantes d'à peu près 1 km, nous allons réaliser, avec le conseil départemental des Hauts-de-Seine qui va le financer, et avec l'accord de la ville de Paris, nous allons réaliser la promenade des deux gares. Et donc l'idée, c'est de reculer le mur du cimetière de Bagneux, d'environ 8 mètres et de faire en sorte que la première rangée de tilleuls fasse partie de l'espace public. Voilà. Et donc nous avons obtenu cet été l'accord de la maire de Paris, Anne Hidalgo, sur ce projet. Le conseil départemental, je l'ai dit, va le financer. La ville de Bagneux et la ville de Montrouge sont évidemment d'accord et poussent ce projet pour qu'il se réalise. Donc nous pourrons ainsi aménager une belle promenade pour les piétons, une piste cyclable également juste à côté, et puis ensuite planter de nouveaux arbres et avoir vraiment une artère très agréable au sud de Montrouge pour les piétons, les vélos et tous les Montrougiens qui iront d'une gare à l'autre. Voilà, c'est un très beau projet. Dans la nouvelle convention, celle sur laquelle nous avons délibéré lors du Conseil et que nous allons signer bientôt avec la maire de Paris, eh bien, nous avons de nouveaux projets qu'on va essayer de faire avancer aussi. Donc c'est d'abord la réflexion sur l'aménagement d'une place au bout de l'avenue de la République, République Nord, à l'endroit où est l'entrée de notre cimetière, puisque le cimetière de Montrouge, il est sur la commune de Paris, alors que le sud Bagneux, il est de l'autre côté. Donc là, nous voulons aménager une place avec Paris pour pouvoir sortir de Montrouge, se rendre au cimetière et accéder aussi au très beau square du serment de Couffrat qui est sur Paris. Premier projet. Deuxième projet, c'est réfléchir avec Paris sur l'aménagement de la porte d'Orléans, puisque Paris transforme ses portes en place. Évidemment, ça nous concerne, c'est la suite du réaménagement de la 920 et l'entrée dans Paris. Donc réflexion sur cette place. Et le troisième projet, c'est la réflexion sur l'aménagement de Romain Rolland, qui est la voie qui sépare Montrouge de Paris au bord du périph', et notamment dans sa partie est vers Gentilly, où là nous souhaiterions que soit aménagé un mur anti-bruit pour protéger les riverains de Montrouge à cet endroit-là et améliorer leur qualité de vie. Voilà donc 3 beaux projets, on va y travailler avec eux et on espère bien sûr aboutir à leur réalisation. Autre projet d'aménagement urbain, celui du site de la fac dentaire, puisque la ville de Montrouge a un site universitaire sur son territoire. À l'horizon 2029, la fac dentaire va déménager. C'est l'occasion pour la commune de faire un réaménagement du site. Alors qu'est-ce qu'il est prévu sur ce site ? Oui, alors lors du dernier conseil, nous avons approuvé un protocole d'accord entre la ville de Montrouge, l'État, qui est propriétaire de la fac dentaire, et Grand Paris Aménagement, qui va être l'aménageur du site. Alors, que va-t-il se passer? Comme vous l'avez dit, les dentistes vont quitter Montrouge, et à la place de la fac dentaire vont s'installer les professeurs de sport, le STAPS, qui est aujourd'hui dans le 15e arrondissement. Et donc, c'est l'occasion pour tous les partenaires, donc l'État, la ville, de repenser ce campus. Et notre ambition à nous, partagée avec l'État, c'est d'en faire un campus ouvert, un campus dont pourront profiter tous les Montrougiens. Donc il y aura de nouvelles installations sportives, mais il y aura aussi de nouveaux logements, de nouveaux commerces et de nouveaux espaces publics. Voilà, donc ce sera vraiment un campus ouvert à tous, ouvert sur la ville. Et nous avons donc décidé dans ce protocole de faire une étude globale qui comprend non seulement le site de la fac dentaire, mais également plusieurs parcelles qui vont jusqu'à la place Crespe, qui comprend donc les allées Boutroux, et puis plusieurs bailleurs sociaux qui sont là
notamment des résidences qui sont installées. Voilà, on va réfléchir à la grande échelle pour essayer de réorganiser toute cette partie du quartier des Portes de Montrouge. Et autre point essentiel, nous avons demandé à l'État et à l'aménageur de réfléchir sur deux fonctions urbaines qui nous paraissent essentielles. La première, c'est la création d'un puits de géothermie, puisque nous voulons doter Montrouge de cette énergie renouvelable. Nous avons la chance d'avoir sous nos pieds le Dogger. Le Dogger, c'est une nappe d'eau à 65-70 degrés. Donc on va pouvoir puiser cette énergie, et avec cette énergie, avec ce système de géothermie, on va chauffer à la fois le campus, bien sûr, les équipements de la ville, des résidences, des logements publics et privés, et puis des entreprises, notamment des très grandes entreprises. Voilà, donc ce projet-là, il est fondamental, et à l'heure où l'énergie augmente, où les prix de l'énergie flambent, eh bien, doter la ville de Montrouge d'un tel système de géothermie, c'est évidemment essentiel, et donc le puits sera creusé à cet endroit-là, assez rapidement, pour qu'on puisse offrir tout cela aux futurs utilisateurs. Et deuxième sujet que nous avons souhaité intégrer dans le projet, c'est la logistique urbaine, puisque aujourd'hui le site il est très proche du périphérique, et l'idée c'est de faire en sorte que ce site de logistique urbaine, un espace de logistique urbaine, permette de réduire la circulation des marchandises dans la ville de Montrouge. Donc les camions arriveront sur le site, ils déchargeront, et ensuite ce sont des petits véhicules qui pourront livrer les marchandises en ville, ça aussi pour réduire l'empreinte carbone et faire en sorte de contribuer à réduire le réchauffement climatique. Voilà donc deux projets très positifs en matière de développement durable pour Montrouge dans ce projet du futur campus urbain. Pour terminer, parlons éducation. Le Conseil a adopté la nouvelle convention de partenariat pour l'éducation artistique et culturelle qui lie la ville de Montrouge et l'Académie de Versailles. Alors, pouvez-vous nous rappeler ce que sont ces EAC? Oui, alors l'éducation, c'est l'une des grandes priorités de Montrouge, bien sûr. Et donc, nous avons souhaité renouveler cette convention avec l'éducation nationale. Le projet et l'idée, c'est de permettre à tous les jeunes, à tous les enfants, il y a plus de 3000 élèves dans les écoles de Montrouge, de leur permettre d'accéder à la culture et donc de leur proposer pendant le temps scolaire à la fois des animations, des sorties, des spectacles pour qu'ils s'éveillent et ils s'enrichissent de cette dimension culturelle. Voilà, donc c'est un partenariat entre l'éducation nationale, les services de la ville, au service de tous nos enfants. Cet entretien est maintenant terminé. C'est la fin de l'année. Alors, est-ce que vous avez un petit mot pour les Montrougiens? Oui, alors cette fin d'année, je voudrais inviter toutes les Montrougiennes et Montrougiens à faire leurs courses auprès de nos commerçants montrougiens, parce qu'ils en ont bien besoin, leurs courses de Noël, bien sûr. Et puis, leur donner rendez-vous le 7 janvier prochain pour partager ensemble, tous ensemble, la grande galette de Montrouge sur la place Crespe et fêter la nouvelle année 2024. Voilà, donc bonne fête à toutes et à tous, et à l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci.